Zombie Apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc juste pour une petite annonce, pour un gameplay, un style de jeu que j'avais déjà développé sur Twitch et vous étiez nombreux à passer les samedis soirs avec moi, à vous moquer de moi dans le chat parce que je flippais complètement. Et je me suis dit pourquoi ne pas instaurer les jeux d'horreur. D'ailleurs, c'est une des catégories de jeux que je n'ai pas encore développé sur la chaîne YouTube. Donc je me suis dit, allez, prends ton courage à deux mains et on va y aller. Et il se trouve qu'un développeur m'a envoyé la clé d'un jeu, mais ça, on va le voir à la fin. Je vais vous mettre pour YouTube, parce que vous ne m'avez jamais vu en action dans les jeux d'horreur, c'est assez comique. Je vais vous mettre quelques extraits du jeu que j'avais fait en live, du jeu d'horreur Dread Out. Il y a le 2 que j'ai à faire, le 3 que j'ai à faire, mais il m'a tellement traumatisé façon de parler. Hein. Mais j'ai eu tellement de mal à me remettre de ce jeu que je ne suis pas encore prête à vous faire le 2 et le 3. Et du fait que ce développeur, qu'un développeur m'a envoyé la clé d'un autre jeu d'horreur, je vous mettrai le trailer donc à la fin. Je vais vous mettre juste avant pour que vous me voyez, flipper. Que vous allez sûrement vous foutre de moi, mais je peux vous dire que c'est pas évident quand on joue à un jeu d'horreur, parce qu'honnêtement, le regarder c'est une chose, et jouer c'est autre chose, et j'aime bien me mettre en plus dans l'ambiance, donc évidemment j'étais dans le noir complet, et vous commencez à connaître mon chat maintenant, qui vient toujours se mêler des choses, donc il m'a fait flipper lui aussi à plusieurs reprises, voilà, bref, donc je vais vous mettre quelques extraits, donc c'était le jeu Dread Out que j'avais fait sur Twitch. Et sur Twitch, ils m'ont demandé quand c'est que tu refais tes jeux d'horreur, qu'on se marre. J'ai dit bon, ben, je vais y réfléchir, donc je me lance, voilà, c'est fait. On se retrouvera donc le samedi soir sur un nouveau jeu, hein. Ce n'est pas les images que vous allez voir là, vous verrez le nouveau jeu que le développeur m'a envoyé à la fin, je vous mettrai le trailer. C'est un jeu qui est connu, hein, je pense, il y en a pas mal qui l'ont fait sur YouTube. On a tous nos personnalités et nos réactions face aux jeux d'horreur. Alors certes, moi je ne mets pas ma caméra, mais je veux dire, je suis assez expressive de ce côté-là. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous le samedi soir, je compte sur vous. J'attends vos retours au niveau de ce que vous en pensez de ce Chirelle Night of Terror. Alors je sais que les jeux d'horreur, ça ne plaît pas à tout le monde. Bien entendu, il y aura le sigle interdit au moins de 18 ans, bien que ce ne soit pas des jeux d'horreur que je fais qui soient gore, sanguinolents ou autres, mais plus des jeux avec une ambiance très pesante, très glauque. Je suis plus branchée jeux coréens, jeux indonésiens, dans les styles de films d'horreur de The Grudge, Le Cercle, Hills, etc. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de les voir. Ce sont des jeux où il n'y a pas d'horreur, mais où c'est l'effet de surprise, en fait, qui vous fait faire des bons, quoi. Et je vais vous mettre quelques extraits et je vous mettrai en info, en haut, la playlist, si vous voulez aller jeter un œil sur le jeu Dread Out, hein, que j'ai terminé, comme je vous ai dit, mais pas sans mal. Et ensuite, je vous mettrai donc le trailer du jeu d'horreur que le développeur m'a envoyé. Et j'attends vos retours pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous hype, si vous avez envie ou pas. Et je vais prendre mon courage à deux mains. Et je trouve que c'était une bonne idée, tout simplement, parce que c'était un style de jeu que je n'avais pas développé sur YouTube. Et vu que je touche un petit peu à tout sauf au MMO, ça c'est pas la peine, je n'en veux pas. Mais voilà, donc vous allez me voir dans toute ma splendeur, je vous mets quelques extraits de Dread Out. Et puis ensuite j'enchaîne avec le trailer du jeu qu'on fera le samedi soir. Alors vous verrez, hein, pour ça il faut vous abonner à la chaîne bien sûr YouTube. Vous pouvez venir directement sur Twitch si je le fais en live, vous avez le lien. Il faut vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que ça aide la chaîne à monter. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'étaient pas abonnés. Vous êtes nombreux à me suivre, vous n'êtes pas tous abonnés. Et c'est dommage parce que ça m'évite, ça m'empêche, si vous voulez, que ma chaîne monte. Déjà au niveau des nombres d'abonnés.
Et ça m'empêche que mes vidéos soient bien classées dans YouTube, alors que j'essaye de vous faire des vidéos assez correctes, recherchées, avec mes petits moyens à moi. Et voilà quoi. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. N'oubliez pas les petits pouces en l'air si vous aimez, si vous êtes d'accord, les petits pouces en bas, les commentaires, le partage parce que ça aide à monter. Et je ne parle pas de monétisation puisque comme je vous l'ai dit, mes chaînes ne sont pas monétisées. Je fais ça pour le plaisir, pour mon plaisir et pour votre plaisir. Ça s'arrête là, mais voilà, c'est sûr qu'on est toujours ravis de voir que ce qu'on fait, ça plaît et qu'il y a des retours et qu'on est, comment dire, qu'on est encouragé. Et quand on voit nos abonnés monter, 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 ben, automatiquement, ben, ça fait plaisir. On se dit, on ne fait pas tout ça pour rien. Et merci encore à tous ceux qui me suivent. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Parce que vous êtes très nombreux à me suivre, c'est vrai. Mais vous êtes très nombreux à ne pas être abonnés. Et c'est dommage. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligés non plus d'être abonnés à une chaîne. Ça, c'est vous qui le décidez. C'est une demande que je vous fais. Après, à vous de voir. Sur ce, je vous laisse avec les images de Dread Out. Donc, vous me verrez en action dans ce jeu. Et après, ça enchaînera avec le trailer du jeu qu'on commencera le samedi soir. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaira. Et puis, bah écoutez, rendez-vous pour les Shirelle Night of Terror. Bye bye! Linda, les deux portes. Les deux portes, Linda. Les deux portes, toujours les deux portes. Mais laisse jamais avec une seule porte ouverte. Il recule. Prends son appareil. J'arrive de là. Non, j'arrive d'où? D'où j'arrive? Je ne sais pas. Oh, ouf. En plus, j'ai la tête près de l'écran parce que c'est sombre. Je vais me faire un bond que je vais m'en casser la gueule de la chaise. Je hais ce jeu. Je hais ce jeu. Il n'est pas question pour aller plus vite que je lâche l'appareil photo. Oh non. C'est quoi? C'est une entité cool? Non, je crois pas. Non, je ne pas. On recule. On recule. On recule. On recule. C'est un arbre. Dégage, dégage. Ah putain! Casse-toi, 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 cours, 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 cours. Ah putain! Non! Au secours! Non, non. Lyra, c'est moi, Linda, ta meilleure copine. Lyra, Lyra, s'il te plaît. Oh, t'es pas nette. Non, j'appuie pas sur eux. Pas pour le moment. Pas cool, Lyra, là. Sais-tu que tous les autres sont morts? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Bon, on va s'asseoir. On s'est pété la tête, d'accord. Ou c'est elle qui a poussé la chaise? C'est mon appareil photo qui est par terre? Ok. D'accord. D'accord. Ok. Linda,
Oh putain, qu'elle m'a fait peur. Bon là, je vais pas vous lire ce qu'elle lit. Elle est en train de parler toute seule. Linda, salut, c'est moi, salut, comment tu vas, machin. Elle a complètement barré. Laissez-moi sortir de cette maison de fou, s'il vous plaît. J'en ai marre des entités. T'es où? Ah my god, j'ai du bol hein. Où t'es? Putain, t'es au-dessus de moi. Ah la vache. J'ai pas vu assez tôt, elle va me buter. Ah. Ça sent pas bon. Et on fait quoi? Je peux faire quelque chose? Pourquoi j'ai des trucs noirs sur moi? Oh non! C'est une cinématique, hein, je peux rien faire. Alors, c'est même pas en anglais, c'est en indonésien, désolé, je ne parle pas indonésien. Hein. La vache, j'ai eu peur. Le bon que j'ai fait, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elle passe comme ça à travers le truc. Oh, mon cœur.